Nuko aravuga ati hagira umwana winyakura amusanira utwo tuzi ubundi dukomeze. Fike ryose la rappeler a wa osafaki etelaxi pouvait avoir une faki sana cherche de l'eau pour son messie puis pour qu'il puisse continuer avec la soirée. Ubwo baje bamuzanira amazi ubundi gahunda z'amasengesho zirakomeza basengera ibyo bagombaga gusabira uko abantu bari babisabye. Fike en fait aller a amener de l'eau puis le programme de prière a continué comme ils avaient convenu. Aha umuntu yakwibazaye uko uyu mubyeyi byari byamugendekeye. Fike ici on peut se demander qu'est-ce qui est arrivé à son parent. Kwabonye ko ikintu cyo gusengera hamwe ari ikintu bari baratojwe kuva kera. Fike on a vu que le fait de se réunir de prier ensemble c'était dans leur culture. Ndetse nk'uko bari bakomezaga kubikora bigaragara ko bari bifuzaga kubitoza abana babo ngo nabo bazabikomeze. Fike comme alors ils avaient développé ça comme une culture, donc ils voulaient aussi inculquer cette culture aux enfants pour que les enfants puissent perpétuer la culture. Ese uyu muryango wari ufite umuco mwiza? Est-ce que cette famille avait une bonne culture? Bari bafite umuco mwiza rwose. Oui, c'était une bonne culture. None se by'umugabo yakoze byari bikwiye n'ibyari bikwiye? Est-ce que son messie a fait, est-ce que ça valait la peine d'être fait ou ça valait pas la peine? Biroroshye kwibaza ngo mbese urugero yarahaye aba bana rwari uruhe igihe yavugaga nk'ibi ngibi. Fekeye on peut se demander c'est quoi la valeur qu'il donnait à ses enfants lorsqu'il a fait sa demande d'aller lui chercher de l'eau. Igihe yasabaga abandi basabiraga amahoro n'ibindi n'ibindi bati abantu bagiye utuzi n'ikarabire njye nibyo byamfasha. Fekeye on va les autres prier pour la paix donc les bonnes relations lui a demandé que quelqu'un puisse lui amener de l'eau c'est ça qui. Mu mibereho yacu ya gikristo hari ibintu duha agaciro bikagera bigahinduka nk'umuhango. Fekeye dans nos habitudes chrétiennes il y a des choses qu'on développe puis qui deviennent comme des habitudes ou comme des cérémonies. Noneho iyo umuntu anyuranije nabyo aba aciye nk'amabere twese turakangara. Fekeye lorsque à ce moment il y a quelqu'un qui s'en va à l'encontre tout le monde donc est bouleversé en ce moment. Noneho hakaba n'abantu babikora neza ku buryo ugera aho usanga abantu bose bemeranya ngo naka cyangwa nyiranaka ngo zigusenga neza. Puis il y a d'autres qui le font bien, puis que tout le monde donc le considère comme quelqu'un qui prie bien. Est-ce que ça existe plutôt dans Aurore et Bo, où est-ce que les gens disent, oh tel, il sait prêcher, il sait prier. Pourquoi alors les gens peuvent dire ça? Hari abantu baba bari intyoza mu kuvuga. Fekeye ya les gens qui ont les habiletés ou la facilité à parler. Bakamenya gutondekanya amagambo neza. Qui savent ordonner les phrases, les mots. Ndetse bakamenya kumenya ibyo bavuga buri muntu wese akabyibonamo. Fekeye qui savent parler puis aller toucher donc les autres. Ukumva rero abantu bavuga bati uriya muntu rwose azi gusenga bazajya bebe babwira dusengere. Fekeye asomaro. Donc l'auditoire dit c'est celui-là qui sait prier, c'est celui-là qu'on aimerait qui nous prêche à toutes les sabbats. Est-ce que toi aussi tu es d'accord qu'il y a quelqu'un qui sait prier plus que toi? Niba wemera yuko naka cyangwa naka bashobora kuba bazi gusenga kukurusha, birashoboka ko haba hari ikibazo cy'uko wenda utazi gusenga icyo ari cyo, atari uko utazi gusenga neza. Feke si ti pense comme ça qu'il y a quelqu'un qui sait prier plus que toi, c'est qu'il y a un problème quelque part, donc tu ne sais pas aussi comment prier. Mu magambo twabonye hano muri Matayo ayo wadusomeye dutangira Matayo igice cya gatandatu kuva ku murongo wa gatanu kugera ku wa munani. Dans le verset qu'on a vu dans Matthieu 6, verset 5 à 8, ici, il nous rappelle que c'est dans une prédication qui a eu lieu sur une montagne. Et que ça commence par Matthieu 5. Ah, Yesu Kristo yari yasobanuye abahiriwe abariho. Fait qu'ici, Jésus-Christ donc explique les gens qui sont choisis, qui sont élus. Muri iki gice
yasobanuye nanone ko atazanwe no gukura amategeko. C'est que dans ces mêmes paroles, dans ce verset, donc Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu pour remplacer la loi. C'est que à ce moment aussi, Jésus-Christ continue à rappeler donc les commandements, pas tuer, pas d'adultère, ainsi de suite. Pas au venger, donc aimez vos ennemis. Fait que, il nous invite donc à ne pas nous satisfaire. Ahangaha, mu by'ukuri iki kibwirirwa urumbago cyari kirimo ibi kibwirirwa nyine kibwirirwa cyo ku musozi Rosemosi na montagne. Kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndabwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Yatangiye bati nimusenga. Ahangaha ku murongo wa gatandatu ati weho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinge urugi uhere kusenge so mwihererane. Nuko so ureba ibyihereye azakugororera. Arongera nanone tumaze kureba nimusenga inshuro ebyiri ku murongo wa karindwi nanone ati namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukennye mutarabivuga. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand ils prient, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de vos paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Akoze cyane impamvu nahisemo ko twigira ku mutwe w'amagambo avuga ngo nimusenga nuko kuri buri mutwe buri murongo ahangaha Yesu Kristo yongeraga kubita nimusenga. La raison pour laquelle donc il a choisi d'insister sur le mot « si vous priez » c'est parce que même dans ce verset, donc Jésus-Christ revient sur ça, il dit « si vous priez ». Ce que Jésus-Christ dit, il nous dit « si nous prions », mais il ne nous dit pas la manière par laquelle nous prions. Nous voyons que Jésus-Christ a vendu Guhana, Mazirigisha, Isengesho, Namakenga, Idiarite. Fait que ici, donc, Dieu a commencé par punir. C'est ça, il a, oui. Et par la suite, il a enseigné comment il faut prier. Ibyo turaza kubona ku murongo wa cyenda atangira avuga ngo nuko musenge mutya muti. Fike idi qu'on va voir ça au verset 9 où est-ce que Dieu nous montre la façon ou la manière de prier. Yesu Kristo yabonaga yuko mu bigishwa be harimo guhuzagurika kugerekeranye no gusenga. Fike Jésus-Christ voyait que parmi ses disciples il y avait du n'importe quoi dans les façons de prier. Ubwo twabibonye hano yababwiye uburyo ibikorwa mu masengesho aho bitari bikwiriye. Et comme on l'a vu, il a expliqué donc qu'est-ce qui ne faisait pas bien. Nous comme Magamelo, Kagaragazari, nous comme Aro Upagani, Changa Suwe, Uyewe, nous comme
Fait que c'est pour ça que dans ce verset vers la fin, il nous dit que on croit que si on répète nos prières normalement, c'est ça qui fait que Dieu puisse écouter donc nos prières. Fait que Jésus a ajouté que Dieu il sait déjà ce que nous voulons avant même de le lui demander. Non è semplice, ma na, è il Dio che ne è, io ti voglio, ngomba ko dusenga. La question qui se pose, si Dieu sait déjà qu'est-ce que nous voulons avant de lui dire, est-ce que c'est nécessaire de prier ou de demander? Kristo atwereka ko ikigamijwe mu isengesho atari gusubiramo amagambo ngo kugira ngo tubone icyo dushaka. Fait que Jésus nous montre ici que ce qui est important, essentiel, c'est pas de répéter nos paroles pour croyant que nous allons avoir qu'est-ce qu'on a besoin. Aho bigifite agaciro no mushikirano ugirana n'Imana mu gihe cyo gusenga. Fait que ce qui est important, c'est la relation que tu as avec Dieu lorsque tu pries. Fait que ces relations sont liées là, donc témoigne la relation ou le lien qui existe entre un père et un fils. Et fait qu'on va voir ça parce que à ce moment quand Jésus commence à leur montrer comment prier, il a commencé à leur dire qu'il faut commencer par notre Père qui est au ciel. C'est à ce moment que Jésus montre que notre prière donc va être bâtie sur la relation ou le lien qu'on a avec le Dieu, notre Dieu. En d'autres mots, une bonne prière, ce n'est pas une prière qui est basée ou bâtie sur ce qu'on a besoin pour Dieu. Mais c'est une prière qui provient de notre façon de considérer notre Dieu. Et c'est pour wowe Imana umubyeyi wawe cyangwa ni umurivureri ibyo ukeneye. Est-ce que pour toi Dieu c'est ton père ou c'est un livreur de des choses qui répond seulement à tes besoins? Gitandukanya restaurant na mama wawe ugutekera. Qu'est-ce qui différencie un restaurant puis ta mère ou ton père qui prépare pour toi? Donc maman oui agenda aga fatiguer mais aussi d'aller au bout des tira aga bichera comment est-ce qu'on va manger à mon goût non lié? C'est parce que ta mère va préparer puis va servir à table puis va t'inviter pour venir manger. Alors comment le restaurant au bon bah vous faites carita au caribou tu tiens mais wa rangiza ni buri wa ugaha magariti monyo hérez vidéo jaya naya wa ko hérez un livreri akaza kabishira onga. Mais contrairement donc à ta mère au restaurant tu dois regarder le menu choisir puis appeler puis demander à un livreur de t'apporter donc ce que t'as commandé. Mais allez madame bon maman wa asi tu tiens les couilles. En d'autres mots, ta mère sait déjà qu'est-ce que tu veux manger. Mais toi aussi, tu dois croire en ta mère comme quoi elle connaît déjà ton besoin, qu'est-ce que tu veux manger. Fait que contrairement donc c'est le restaurant ou le serveur, il ne sait pas qu'est-ce que tu dois manger. C'est toi qui lui dis, puis il doit te donner les mêmes choses que tu as commandées. Fait que lorsque il demande à sa fille Mélissa qu'est-ce qu'elle veut manger, vous pensez que la réponse de Mélissa c'est la même? Les frites. Ça, je vais vous dire que 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 sa fille peut lui répondre avec d'eau ou peut aussi lui dire la crème glacée. Je vais vous dire que la crème glacée. Fait que lui répond à sa fille, non, c'est pas ça que tu vas manger la crème glacée. Ah, oui, vous dire. Fait que il lui dit, tu vas manger ça, ça et ça. Mais à quel jour est-ce que ton papa a mangé ça? Fait que sa fille Mélissa finit par manger ça puisque elle sait que papa lui donne la bonne nourriture. Au moins Mélissa qui est au restaurant a commandé crème grasse.
Le jour où sa fille Mélissa va aller au restaurant pour commander la crème glacée. Fait que à ce moment, on va lui donner, on va lui servir la crème glacée, puisque c'est ça qu'elle a demandé. Fait que c'est là alors où se trouve notre relation avec Dieu, puisque c'est cette relation qui existe entre un parent et son enfant. Notre Dieu, il sait déjà nos besoins. Fait qu'il arrive des fois où est-ce qu'on lui demande même des choses, puis qu'il lui dit non. Fait que lorsqu'on croit en Dieu, à ce moment, on répond que Dieu a fait sa volonté. Et de plus, sa volonté est bonne pour moi. Fait que lorsqu'on ne fait pas ça, c'est là qu'on se lamente, puis qu'on se dit, Dieu, pourquoi tu n'as pas répondu à mes affaires? Et c'est pour ça alors que la prière témoigne dans notre relation avec Dieu. Et la façon que nous considérons notre Dieu. Quelqu'un peut se demander, même si lui va dire non à Mélissa lorsque Mélissa demande la crème glacée, pourquoi Mélissa est obligée de demander la crème glacée? Fait que vous pouvez aussi dire pourquoi toi, le père de Mélissa, tu sais que c'est ça qu'il va te demander. Pourquoi ne pas aller préparer seulement puis lui servir? Que donc lui il fait de cette façon parce que comme parents vous savez on veut que nos enfants grandissent, comprennent jusqu'à ce que les enfants soient capables de nous dire qu'est-ce qu'ils veulent pas. Fait que notre Dieu aussi c'est pas un dictateur. Fait que notre Dieu donc, nous oblige à ce que nous avons à faire. C'est pour ça aussi que Dieu dans sa relation avec nous il veut qu'on échange. Fait que donc à ce moment la prière c'est pas un bon ou un menu de commande. C'est un mécanisme, une façon que Dieu a mise en place pour qu'on puisse communiquer avec lui. Petit enfant, il raconte tout, n'importe quoi à ses parents parce que c'est la base qu'il a. Mais plus on grandit, plus on fait la nuance sur qu'est-ce qu'on doit dire ou partager avec nos parents. Fait qu'il y a même les jeunes qui vont se peinturer dans leur coin puis qui ne parlent pas à ses parents, sauf lorsqu'il y a un besoin que le jeune veut exprimer donc à son parent. À ce moment, le jeune ou la personne se considère autonome. Lorsqu'il n'est pas capable de répondre à ce moment qu'il va solliciter ou qu'il va solliciter les parents. Qu'est-ce que ça veut dire donc? La distance qui relie les parents et les enfants s'augmente au fur et à mesure que l'enfant grandit. Est-ce qu'il arrive des fois où est-ce que vous demandez à quelqu'un de prier puis que la personne vous dit cherchez un autre, moi je ne suis pas capable. Est-ce que ça existe? Fait que
Il y a un problème quelque part. Que la personne répond, je ne sais pas prier. Il y a un problème quelque part. Mais en d'autres mots, cette personne qui répond comme ça, elle est en train de dire que ce n'est pas communiqué avec son Dieu, fait qu'il faut chercher un intermédiaire, une autre personne qui va parler à sa place. Fait que mon frère, si c'était comme ça, si c'est comme ça, il faut changer le plus vite possible. Est-ce que c'est nous qui nous éloignons ou c'est Dieu qui s'éloigne? Parce que Dieu, lui, il est toujours près de nous, il est toujours prêt à nous entendre. Si ça nous arrive à ce qu'on n'est pas capable de communiquer avec lui, c'est pas Dieu qui s'est éloigné, c'est nous qui nous sommes éloignés. Mubyeyi aba ku gicumbi aho umuryango uri. Fait que para il reste donc là où se trouve sa famille. Ah ni nabana ni bo bagira bati. La plupart de fois c'est les enfants qui vont. Abana ni bo bagenda qui vont sortir s'éloigner. Bagasiga umubyeyi qui vont laisser nos parents donc mais souvent lorsque les enfants reviennent, donc le père ou les parents sont toujours là. Imana yacu rero ihora itwite niteze kudufasha kandi yarabidusezeraniye ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ryari? Gomera Yesu. Dieu est prêt donc à nous aider à répondre à nos besoins et il a promis il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Parce que prier c'est nécessaire, c'est important, mais il faut bien le faire. Il n'y a pas de compétition. Que ce soit au niveau des paroles qui sont en train d'être dites dans la prière. Que ce soit au niveau de la grandeur des paroles qui sont dites. Ou la façon dont vous donnez vos paroles. Est-ce qu'il t'arrive de croire que tu sais prier, tu pries mieux que les autres? Que c'est à ce moment que Dieu donc nous demande, que lorsqu'il nous dit que lorsque nous prions, qu'on ne soit pas comme ces hypocrites qui se mettent donc dans les synagogues pour que le monde puisse les voir. Ce que Jésus dit ici, nous demande, c'est que nous devons rentrer dans la maison et fermer la porte de notre maison. Et qu'à ce moment, il faut prier ton Père étant ensemble avec lui. Fait qu'ici, les mots essentiels ou les mots clés, ce n'est pas la maison ou la porte, mais c'est ce fait que tu sois à un endroit secret. Que chers frères et sœurs, il faut être donc dans un lieu secret avec ton Dieu. Fait que lui dire tes besoins, pas les besoins des autres. Fait que ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu demandes, et ainsi de suite. Le monsieur qu'on a vu dans l'histoire a demandé à un enfant de lui amener de l'eau pour laver ses pieds. Est-ce qu'il a eu de l'eau? Est-ce que sa parole a été exaucée? Comment t'as-tu
nubwo tutabwa kwisengesho ryo ryari kitegerezo dukuye gukurikiza urugero rwo rutwereka ko Imana yacu isubiza kabone nubwo abandi babona ibyo bitwasabye bidakwiye. C'est que même si on ne peut pas dire que sa prière concordait donc avec le déroulement de leur façon de prier, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que des fois, même si on n'a pas bien demandé, donc, c'est que des fois on répond, Dieu répond à ce qu'on a demandé. Les autres peuvent penser qu'on n'a pas bien demandé. Alors, Guadeloupe qui leur avait dit qu'on se moquait de sa mère. Pourquoi il n'y a pas eu la téléphone et il n'y a pas eu la caméra. Souvent sa mère ne savait pas où se trouve son téléphone et demandait à ses enfants d'appeler sur son téléphone. Les enfants appelaient le téléphone sonnait puis les enfants parvenaient à trouver le téléphone. Non, non, vous montrez aux amis. Fait qu'un jour, cette femme n'avait pas de lunettes. Et à ce moment, cette madame a appelé ses enfants, dont Myriam, puis a demandé de s'approcher. Fait que les enfants se sont approchés, se sont agenouillés, puis ont fait la prière. Fait que dans sa prière, cette vieille femme, c'était de dire, Seigneur, ils ne vont pas appeler les lunettes ne vont pas répondre. Si j'ai besoin, donne-moi mes lunettes. Fait que dans cette prière, les enfants ont ri. Fait qu'ils lui ont dit, maman, tes lunettes sont à tel endroit. Est-ce que cette madame a eu ses lunettes ou n'a pas eu ses lunettes? Fait que pour ses enfants, ils voyaient que c'est leur mère dérapée, mais... Cette madame était convaincue et croyait que Dieu peut donc l'aider à trouver ses lunettes. Fait que souvent on se dit, il y a des choses qu'on peut demander à Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas demander. Mais la Bible nous demande d'être comme des petits enfants. Est-ce que les petits-enfants, les petits-petits-enfants, là, est-ce qu'ils ont la logique? Fait que ça se peut que les enfants puissent, les petits-enfants puissent avoir une logique, mais tout ce qu'ils racontent donc aux enfants, c'est des choses que ces enfants croient. Et les petits-enfants, c'est des enfants qui sont convaincus. Fait que souvent, nous les adultes, quand on remercie Dieu, donc on témoigne des miracles qu'il a fait. Mais les petits enfants, celui qui a eu un pantalon ou des bains, donc c'est des enfants à remercier nos parents de la même façon. Et ça m'a dit le pantalon, tu as gâché le camion? Est-ce que les bas et le pantalon ont la même valeur? Fait que pour ces enfants, ce qui a de la valeur, ce n'est pas le pantalon ou le bas, mais c'est le fait que le parent a donné quelque chose. Et c'est ça la relation que nous devons avoir avec Dieu. N'isengesho cyacu ntabwo gikwiye kugira agaciro ari ibyo dusaba tugahabwamo. Fait que dans notre prière, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on demande et qu'on reçoit. Ahubwo ni uwo mushyikirano twagiranye n'Imana, tukaba tuzi ko Imana yumvise ibyo dukeneye. Fait que ce qui est important, c'est cette relation qu'on a avec Dieu, le fait qu'on croit qu'il nous comprend puis il comprend nos demandes. Abana bato niko dukwiye kuba kugira ngo tuzajya twiruka tugereranya ngo uyu yamuhaye ibi uriya ntiyamuhaye ibi. Fait que nous aussi les adultes, il faut qu'on soit avec ces petits enfants pour éviter de comparer Dieu a donné ça à tel, tel autre, ça, mais pas comme nous. Fait
Fait que vous pouvez vous demander comment Nadir peut devenir un petit enfant. Ici, ce que lui il dit, c'est pas de demander à un adulte de devenir comme un petit enfant. De ne pas être un enfant. Mais d'être comme un enfant. Fait que il y a un jeune qui est allé dans un séminaire pendant 2 semaines, puis qui avait emporté tout ce qu'il avait. Le séminaire a commencé, puis le jeune est appelé à la maison, il faisait un compte rendu sur comment ça se passe. Fait que 3 jours après, c'était un matin. Fait qu'il se réveillait, il allait donc dans le bain, mais parce qu'il y avait donc un des autres et puisqu'il y avait beaucoup de jeunes. Il n'a pas vu ses sandales, il a cherché, puis ça a commencé à être tard. Il a pris le téléphone, il a appelé, il a parlé à sa mère, il a dit: maman, où sont mes sandales? Est-ce que vous pensez que sa mère savait où sont ses sandales? Maman, sa mère n'était pas présente, elle était restée à la maison. Même si sa mère ne pouvait pas l'aider à trouver les sandales, mais ça montre le lien ou la façon que ce garçon considérait sa mère, puisque il y en a qui peuvent dire: à mon âge, ma mère va comprendre que je n'ai pas mes sandales. Fait que ce jeune se considérait toujours comme un enfant devant sa mère. Sur la montagne, lorsque Jésus avait terminé donc de montrer qu'est-ce qui n'est pas bien, puis montrer qu'est-ce qui est bien, lorsqu'on prie, c'est là alors qui a dit que nous devons être comme les enfants. Comme les enfants. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il y a deux parties essentielles dans ce verset. Les deux premiers versets nous montrent la relation que nous avons avec Dieu. Il faut comprendre qu'il faut nuancer, ce n'est pas la relation que nous devons
avoir avec Dieu, mais c'est la relation que nous avons avec Dieu. Isengesho nimbuto yo kwizera ntabwo ari imizi yako. Fait que la prière c'est la semence de la croyance, mais c'est pas les racines de la croyance. Gusenga ntabwo ari byo bibyara kwizera, ahubwo gusenga kuko wizera. Fait que c'est pas la prière qui nous amène à avoir la foi, mais on prie parce que on a la foi. Wambiri usenga udafite kwizera, ibyo ryo biriya yita gutera waraza. Fait que si donc on prie puis qu'on n'a pas la foi, la Bible dit que c'est quoi? C'est comme des paroles vaines. C'est comme des paroles vaines. Imirongo ikurikira igaragaza icyizere ubwo mu gice cya kabiri cy'iri sengesho igaragaza icyizere usenga afite Imana mu mibereho ye akayereka ibyo akeneye. Fait que donc les versets qui suivent dans cette partie, dans cette prière, ça montre donc la croyance que nous avons, la foi que nous avons en Dieu. De façon que nous puissions donc lui dire qu'est-ce que nous avons besoin. Mu murongo wa cyenda wa cumi ngo nuko musenge mukya muti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko biba mu ijuru. Au verset 9 et 10, donc ça dit: voici donc comment vous devez prier: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ati data wa twese uri mu ijuru ese twese ni bande hano bavuga. Notre Père qui est au ciel. Qui dit ça ici? C'est nous tous. Nous ça veut dire que nous sommes des frères. Bibiliya itubwira yuko abamwize bose yabaye. Et que la Bible nous dit que tous ceux qui ont qui croient en Dieu, qui ont la foi en Dieu, donc il lui donne la faveur d'être appelé ses enfants. Et qu'il lui donne la faveur d'être ses enfants. Ikirenze guca bugufi nk'abana bayo imbere ya se Yesu aratwereka ko mu gihe dusenga tugomba kuzirikana Imana twaboneye muri we yuko abana b'Imana kandi tugafata abizera bose n'abavandimwe bacu. Fait que ce qui alors va plus loin, ce qui est très important, c'est que donc Jésus ici montre donc son don que nous avons, il est appelé les enfants de Dieu. Et puis donc considérer tous nos amis, nos frères et sœurs, aussi comme nos frères et sœurs. Et que lorsqu'il y a des conflits parmi nous, on devrait donc nous rendre compte qu'à ce moment, on n'est pas donc en train de rendre le bon service à Dieu. Fait qu'on devrait aussi comprendre qu'il n'y a pas un parent qui aime que ses enfants soient chicanes ou soient en conflit, mais un parent est fier lorsqu'il y a une bonne entente, un bon climat entre ses enfants. Umurongo wa cumi uza kubikomeza uvuga ngo ubwami bwawe buze, ubwami bwa data wa twese buze. Feke au verset 10 ça dit que ton règne vienne. Nukwa mu yandi magambo turifuza kugaruka kwa Yesu ngo tube ibikomangoma mu bwami bw'Imana. Feke en d'autres mots, nous souhaitons que Jésus revienne pour que on soit dans son royaume. Aha rero umuntu yakubaza niba abagenzi bacu tudacira kari urutega nabo tubifuriza kwimana natwe mu ngoma y'Imana. Fait que si alors on se demande si mettons on n'est pas en bon terme avec nos amis, nos frères et sœurs, est-ce que ça on les souhaite aussi d'être donc au royaume des cieux? Il faut y penser. Ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru, icyo ni andi magambo akurikiraho mu gice muri uwo murongo wa cumi. Fait que si on regarde donc la suite de ces choses et de cet verset. Ça dit au verset 10: donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Verset 10. La deuxième partie du verset. Ah, ok. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis ça, quand même, c'est mon courant du jour. Il s'est dit que je suis le courant, je suis le courant, je suis le courant, je suis le courant. Fait que donc nous devons toujours témoigner que sa volonté nous suffit. Fait que
fait que vous savez qu'il y en a qui prêchent que nous devons obliger à Dieu lorsque donc nous avons la foi. Non, non, mon kumba arasaba imana ibyashaka yarangiza gasoza avuga ngo tugushimiye kubyumvishe kandi ubikoze. Je m'en arrive. Fait que avez-vous déjà entendu lorsque la personne demande, termine à prier, puis se fait ses demandes, puis que la personne dit on te remercie, que tu nous as écouté, puis que tu le fais. Fait que pour les gens qui prient de cette façon, ils considèrent que ceux qui ne le font pas de cette façon n'ont pas la foi. Fait que pour ces gens, si tu as la foi, tu dois aussi croire que Dieu doit faire ce que tu as demandé. Mais si on regarde ce que Jésus était à Gethsemane, donc on a dit que que ça ne soit pas comme je veux, mais que ça soit comme toi tu veux. Namawimana, nous avons acheté le homme, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Dieu nous invite à avoir une bonne relation avec lui, mais que ça soit sa volonté qui prime. Et dit que nous avons dit que nous avons dit que nous fait que nos souhaits, nos prières, nos demandes ne doivent pas primer sur la volonté de Dieu. Au verset 11, ça dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Au verset 12, « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Au verset 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent les siècles. » Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Fait que comme nous peinons beaucoup donc pour chercher à survivre, on devrait aussi comprendre que ce que nous recevons, c'est la volonté de Dieu. Muri iki gihe wumva abantu bavuga ibyo bagezeho mu buzima bagatinda gushimangira cyane ko babiharaniye. Fait que donc ces derniers temps, les gens donc se vantent de tout ce qu'ils ont eu, de tout ce qu'ils ont réalisé, mais ils oublient de dire qu'ils ont travaillé pour avoir ces choses. J'ai travaillé fort, I worked hard to have this. Fait que donc il y a des gens qui disent j'ai travaillé fort pour avoir ça. J'ai fait beaucoup des études, donc j'ai investi beaucoup, même là où les autres ne voulaient pas investir. J'avais un bon projet, j'avais de bons objectifs. Et que lorsqu'on est rendu à ce stade, on commence à confondre la bénédiction et celui qui donne les bénédictions. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui travaillent plus fort, mais qui ont moins que ce que nous avons? Est-ce que vous savez qu'ils ont fait beaucoup des études, mais qui ne travaillent pas? Il y a beaucoup d'exemples, mais ce qui est important, Jésus nous rappelle que nous devons demander notre pain quotidien. Et pourquoi on doit demander seulement le pain quotidien? Fait que ça nous rappelle par là où on a commencé, là où Jésus nous rappelle qu'il ne faut pas répéter nos paroles quand on prie. Fait que ce qui est important, ce n'est pas la quantité des paroles qu'on dit, mais ce qui est important, c'est la qualité des paroles qu'on dit, puis qu'on le demande souvent.
Niba muri risengesho na makerna tubona Yesu Kristo yigishije avuga ngo uduhe none byo kujya by'uyu munsi nuko ubwa yuko utataru ku munsi numwe udasinze. Checking autrement ici Dieu nous dit de demander le pain quotidien, ça veut dire que il y a pas un jour qui peut passer sans qu'on prie. Nuko ako ni utasenze uyu munsi byo kujya by'uyu munsi. Fait que ça veut dire que si tu n'as pas prié aujourd'hui, fait que tu ne vas pas avoir le pain quotidien d'aujourd'hui. Yesu Kristo rero ahanga ikibazo tunyaga ntabwo ari uko abantu badakwiye gukora. Fait que ici, ce que Jésus-Christ dit, pas de nous inviter de ne pas travailler. Ahubwo ni ukuzirikana yuko Imana ari ihira amaboko yacu kandi ko dukwiye kuyisaba buri munsi. Fait que, mais il nous invite à penser, à se souvenir que c'est lui qui donne et que nous devons lui demander souvent. Parce que si nous croyons et nous acceptons que nous sommes les enfants de Dieu, on ne peut pas se lamenter parce qu'on sait que c'est lui qui donne. Umubyeyi ntabwo afata umwana ngo amubwire ngo akira ibyo bizagutunga mu myaka yawe yose cyahananye ncaha. Niko bigenda? Qu'est-ce qu'un parent donne tout à l'enfant, puis lui dit c'est ça qui va t'aider pendant 18 ans, puis va-t'en, puis moi je prends mon chemin. Est-ce que c'est comme ça? Ahubwo umubyeyi aha umwana we ifunguro rimutunga uko bukeye. Au contraire, donc, le parent doit s'occuper de son enfant chaque jour. Gusa Imana ibidutunga rero biri muri wa murongo wo kwemera yuko Imana ari umubyeyi wacu wita kuri twebwe iminsi yose. Fait que demander à Dieu donc le pain quotidien, ça nous rappelle que Dieu est notre Père et que c'est lui qui nous guide chaque jour, chaque jour. Nous avons vu que nous avons dit 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 que nous avons dit. Fait que donc, comme on l'a vu précédemment, la prière c'est quelque chose qui témoigne la relation qu'on a avec Dieu et ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire pour quémander. Iyo umwana asabye umubyeyi we umunani biba bivuze ko ashaka kugenda gucuka kimene. Si un enfant demande à son parent sa fortune, ça veut dire que l'enfant veut être autonome. No kuvuga ngo iyo mfashe itanya ukigendera uvuze ngo ubu ngubu noneho wafashe izanjye nzira tuzabonana. Fait que si mettons tu demandes à ton père ta fortune puis que tu t'en vas, fait que ça veut dire tu ne sais pas, tu dis à ton parent va-t'en de ton côté, je m'en vais de ton côté, on se verra plus tard. Est-ce que nous on veut se séparer de Dieu? On veut se séparer de Dieu? Fait que si alors si on ne veut pas se séparer de Dieu, pourquoi on demande pour aujourd'hui, demain, après-demain, alors qu'on sait que Dieu est toujours avec nous? C'est pour ça alors que nous devons demander chaque jour. Au verset 12, ça dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Kristo aratwereka ko mu gihe dusaba Imana imbabazi ku bicumuro byacu tugomba natwe kubabarira abadukosereza. Ici donc Jésus-Christ nous montre que lorsque nous demandons pardon à Dieu, avant nous devons aussi pardonner ceux qui nous ont offensés. Ese n'intumwa za Yesu tugendera muri iyo nyigisho mu mibereho yacu? Est-ce que comme les disciples de Dieu, est-ce que c'est ça nos habitudes, notre culture? Wababariye bose. Fait que celui qui a tout pardonné, qu'il lève la main. Fait que lui nous montre comment faire, mais il ne savait pas dire qu'il a tout pardonné. Jésus Christ, quand Jésus-Christ enseignait aux disciples comment prier, il leur a enseigné aussi comment donner. Il leur a demandé aussi de donner le pardon. Gusenga si amagambo gusa ahubwo n'imyifato iranga umukristo. Prier ou la prière, c'est pas seulement les mots, mais aussi c'est notre façon de nous comporter. Mu gihe twizera yuko Imana itubabarira amafuti yacu, ntituba dukwiye kugirira inzika abacitswe bakaduhemukira ngo twumve ko tutabasha kubabarira. Lorsque nous croyons, nous sommes convaincus que Dieu répond à nos prières, on devrait aussi savoir que. On devrait aussi éviter de ne pas pardonner. On devrait pardonner.
Nubwo twese tutazamuye ibiganza nuko abana batabyumvise buriya wo wabizamura kuko niko bimeze kuri bo. Fake même si nous nous avons pas levé la main, les enfants parce qu'ils n'ont pas compris mais ils pouvaient lever la main puisque c'est comme ça que ça se passe pour les enfants. Abana bababarira byose. Les enfants ils pardonnent tout. Niyo mpamvu umubano wacu n'Imana ugomba kuba umwana ubana w'umubyeyi n'umwana. Que les enfants pardonnent tout, c'est pour cela que notre relation avec Dieu doit être comme la relation entre un parent et son enfant. Mugusoza Kristo duhamagarira gushimangira kwizera kwacu mu Mana isumba byose ibasha kudutsindira ikintu cyose. Fait que pour terminer, Jésus-Christ nous invite donc à croire en Dieu qui nous aide à vaincre tout le mal. Murongo wa 13 ngo ntuduhane mu bitwose aho kudukiza umubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Fiki au verset 13 ça dit ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Aha twemere intege nke zacu nk'abantu bacumura kandi batageraho Satani atarabasha gutera icumu. Fait que ici nous reconnaissons nos faiblesses, nous nous reconnaissons comme pécheurs, les gens qui ne peuvent pas arriver là où donc Satan n'est pas encore allé. Nous devons nous reconnaître quand nous trouvons mes accords, c'est toi qui fait que nous ne nous induisons pas en tentation, ça veut dire que nous reconnaissons que nous pouvons être tentés. Ariko nanone tukavuga ngo ubidukize kuko twizeye yuko Imana yacu ifite ubushobozi dufite icyizere ko ifite ubushobozi bwo kutwiturinda nk'abana bayo. Plus que ça donc on demande à Dieu, on accepte de pas nous laisser tomber dans la tentation parce que nous croyons, nous sommes convaincus, persuadés que Dieu a la capacité et la puissance Uwiteka dufashe ku bw'ubuntu bwe adushoboze kuba abakristo nyabo buje urukundo kandi adukomereze kwizera mu izina rya Yesu. Tukeke mu Yesu.